Alors, mon amour. C'est un travail toujours délicat pour un comédien, interpréter un personnage réel. Dans Au nom de ma fille, Daniel Auteuil incarne André Bamberski. Bonne vacances. Cet expert comptable s'est battu pendant 30 ans pour prouver que Kalinka, sa fille de 14 ans, était décédée après avoir été violée et droguée par son beau-père, un médecin allemand, qui pendant des années échappera à la justice. J'aurais pu lui faire la moindre main. Un rôle à enjeu pour Daniel Auteuil. Il faut être à la hauteur de sa douleur et faire en sorte de ne pas le trahir et que pour lui ce soit l'aboutissement de son combat. Ça rimait à quoi ce simulacre de réanimation que tu as tenté le matin de sa mort? Je me suis dit que tant qu'il mènerait ce combat, sa fille serait présente à ses côtés. Un jour je saurai ce que tu as fait à ma fille. Après des années de bataille avec la justice, n'arrivant pas à être entendu, mais monsieur, c'est vous qui êtes le vrai André Bamberski fera enlever en Allemagne et livrer à la police française le docteur Krombach. On ne se fait pas justice soi-même, monsieur Bamberski. Finalement, le médecin allemand sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle. La victoire au bout d'un long bras de fer pour André Bamberski, comme il le disait en mai 2014. Mon devoir a été rempli. Kalinka a été violée et tuée par le docteur Krombach. C'est 30 ans d'une vie à essayer de combattre l'injustice qui lui a été faite. Je te préviens. La comédienne Marie-Josée Krause, elle, interprète la mère de Kalinka. L'ex-épouse de Bamberski a été longtemps dans le déni. Ce n'est qu'en 2010 qu'elle a finalement admis la responsabilité de son amant dans la mort de sa fille. De viol et de meurtre. C'est une femme qui a été très amoureuse aussi, jeune, amoureuse, dans le déni de tout. Et que Krombach est un grand, grand, grand manipulateur. Aidez-moi à ce que le meurtre de ma fille ne tombe pas dans l'oubli. Au nom de ma fille n'est pas un acte militant, mais un film sur le combat de toute une vie.